Très bien, tout le monde est prêt? Alors c'est parti! En route pour Istanbul! Périmenete, périmenete, mais madame, mais qu'est-ce que vous faites? Mais le train démarre! Ergome, Diego, ergome! Montez, montez! Tora, tora! Pardon, Lulu! Donnez-moi ça! Donnez-moi ça! Yael, vous me faites ça! Ergome, il parle grec! Madame, monsieur, excusez-moi! Vous montez en retard! Excusez-moi! Monsieur, madame, vous avez un billet? Vous avez un ticket? Α, τα εισιτήρια λέει, εσύ τα είχες, για κοίτα. Εσύ τα είχες πάρει, τι να πω τώρα. Pas de billet, qu'est-ce qu'on va faire? Excusez-moi, mesdames, messieurs, il va falloir arrêter le train. Vous allez devoir descendre. Je suis désolé. Δεν πειράζει, είμαστε μουσικοί, θα παίξουμε για όλο το τρένο. Ah, je crois qu'il veut proposer de faire un peu de musique pendant le trajet, à la place du billet. Ma foi, un peu de musique pendant le trajet, ce sera très bien. D'accord. Alors, d'accord. Pas de billet, mais alors, moussaka. Moussiki! Oui, enfin, moussiki, oui, mon grec est un peu rouillé. Bon, hein. Alors, c'est parti! Cette fois-ci, mesdames, messieurs, en route pour Istanbul! Ah. On arrive déjà au pays des gitans. Oh, j'adore le pays des gitans. Oh, vous connaissez de la musique gitane? Un peu de musique gitane, ça vous tente? Allons-y. Vous savez sûrement, vous savez peut-être que autrefois dans ces plaines immenses qu'on voit là, des roulottes se rassemblaient en rond et les gitans faisaient un grand feu au milieu pour se rassembler, pour se réchauffer. Et un de ces soirs que tout était calme au campement, les gitans entendirent au loin le galop d'un cheval. Mais qui donc se permettait de venir troubler leur quiétude? Qui donc se permettait de venir déranger leurs habitudes? Toujours au loin, ce cheval. Le cheval approcha à toute vitesse du campement, il se cabra, hennit, et le cavalier descendit de sa monture. Mais non, attendez, ce n'est pas un cavalier, c'est une cavalière. Et aussitôt, la rumeur commença dans le campement. Mais soudain, tous se turent. Car une vieille femme près du feu ne s'était pas levée. Non pas qu'elle était fâchée, non, non. Simplement, elle était trop vieille pour se lever. C'était la maman de Kala, qui retrouvait avec bonheur sa fille chérie. Là.
aussitôt, la rumeur reprit. Kala, mais soudain, tous se tirent, car Kala prit la parole. Oh, mes amis, si vous saviez, quand je suis parti du campement, j'ai grimpé sur la montagne. Je suis arrivé au sommet de la montagne. Et là, il y avait un énorme dragon, cracheur de feu. Mais moi, Kala, j'ai dompté le dragon. Je suis monté sur son dos. Et je suis redescendu de l'autre côté de la montagne. Et en bas de la montagne, il y avait un royaume magnifique avec un prince et son fils. Et le prince, quand il a vu que j'avais dompté le dragon cracheur de feu, il m'a offert tout son royaume et son fils en mariage. Mais moi, Kala, j'ai refusé. Alors le prince, il m'a donné beaucoup d'argent. Je suis riche maintenant, riche. Et je suis reparti sur mon dragon. J'ai fait le tour de la terre 3 fois. Et à un moment donné, j'ai dit à mon dragon, « Va dragon, va-t'en, va vite à vie de dragon. » Et puis le plus grand des chevaux est passé. Je suis monté sur son dos et j'ai galopé. J'ai galopé. Et puis, vous m'avez manqué. Alors je suis rentré. Voilà. La mère de Kala prit la parole. Kala, ma petite, je suis tellement fière de toi. Tu as vu plus du monde entier que nous tous ici réunis. Je suis vieille maintenant. Je serais tellement heureuse si tu pouvais trouver l'amour avant que je m'en aille. Et Kala lui répondit, « D'accord, maman, je vais chercher l'amour, pour toi, mais aussi pour moi, parce que j'en ai envie. » Et oui, elle était comme ça, notre Kala. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle prit ses affaires, elle prit sa guitare, elle monta sur son cheval, et elle galopa. Toute la journée, elle galopa. Elle arriva dans un autre campement, d'autres roulottes, un autre feu, mais la même rumeur. Et Kala a pris ses instruments et la fête commença. Hey. Cherchait l'amour. Elle regardait partout. Est-ce que ce serait lui, son futur mari? Oh non. Non, alors Kala n'aime pas les lunettes. Est-ce que ce serait lui? Un masque trop rouge. Oh, est-ce que ce serait lui là-bas? Pas assez de cheveux. Ou alors ce serait lui là? Le grand bras là? Non. Kala regardait partout. Mais personne ne lui donnait envie de rester. Aucun homme ne lui donnait envie de rester. Alors, elle trouva une roulotte vide. Elle s'allongea et elle tenta de trouver le sommeil. Kala ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle pensait, j'ai parcouru le monde entier et je n'ai pas trouvé l'amour, alors pourquoi le trouverais-je ici? Minuit sonna à l'horloge de l'église voisine. Oh, déjà minuit. Je devrais dormir. Impossible.
Avec cette église qui n'arrête pas de sonner, comment faire? Oh! Kala ne trouvait pas le sommeil. Et tout à coup, elle entendit, qui provenait d'une autre roulotte, un drôle de bruit. Le bruit se répéta. Kala se faufila hors de sa roulotte pour aller voir. Elle se faufila près de la roulotte voisine et elle regarda discrètement par la fenêtre. Oh! Et là, elle vit un beau jeune homme avec de longs cheveux bruns qui tombaient en cascade sur ses épaules, ses larges épaules. Et il était, il était tout nu et en train de faire la vaisselle. Alors Kala pensa, mais voilà un homme à marier. Kala tenta de pénétrer dans la roulotte. La porte résistait. Kala essaya encore. Une heure sonna à l'horloge de l'église voisine. Et au moment où Kala pénétra dans la roulotte, le jeune homme s'était transformé en poulet. Le jeune homme était devenu un poulet. Qu'à cela ne tienne, Kala prit le poulet dans ses bras. Elle monta sur son cheval et elle galopa. Elle galopa. Elle galopa. Elle galopa pour rentrer jusqu'à son campement. Elle galopa à toute vitesse, à toute allure. Elle galopa. Elle arriva fièrement chez sa maman avec son cher petit poulet dans les bras. Oh, Kala, ma petite, tu es de retour. Oh. Alors dis-moi, est-ce que tu as trouvé l'amour? Non, maman, pour l'instant, je n'ai trouvé que ce poulet. Oh, un poulet! Oh, il a l'air beau, il a l'air gras. Donne-le-moi, on va en faire de la soupe. De la soupe avec mon cher petit poulet? Jamais! Kala se réfugia dans sa roulotte. Et elle déposa le poulet sur son lit. Elle attendit quelques minutes avant minuit. Elle sortit de sa roulotte. Elle regarda discrètement par la fenêtre et elle attendit. Minuit sonna à l'horloge de l'église voisine. Et ce que Kala espérait arriva. Le poulet se transforma en beau jeune homme. Kala lui mit la main sur l'épaule, il se retourna, effrayé. Bonjour, moi c'est Kala, et toi, comment t'appelles-tu? Tu te transformes en humain une heure par jour. Mais comment est-ce possible? Un sorcier t'a jeté un sort, comment puis-je te délivrer? En t'épousant? Eh bien oui, foi de Kala, je t'épouserai. D'accord. Une heure sonna à l'horloge de l'église voisine. Et le beau jeune homme se retransforma en poulet. Kala prit fièrement son poulet dans ses bras et elle chevaucha jusqu'à l'église voisine. Le prêtre fit son apparition. La 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 la. Bonjour Kala, bonjour mon enfant. Alors dis-moi, tu veux te marier? Où est le futur? Tu veux te marier avec ce poulet? Mais tu es folle, ma fille. Très bien, je vais vous marier. Alors Kala, veux-tu prendre pour époux monsieur Poulet, l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Mais d'accord. Très bien. Et à peine Kala avait-elle accepté que le poulet, se retransforma en beau jeune homme. Eh bien, alors dites-moi, monsieur Poulet, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Kala, l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? D'accord. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Et la fête gitane commença, la plus belle fête que le monde gitan ait jamais vue. Hey! Cada vez que voy a querer, pero me voy a querer.
suis déjà arrivé à Istanbul. Tout le monde descend, nous voici à Istanbul. Avant de descendre, j'oubliais. Chères voyageuses, chers voyageurs, n'oubliez pas, quand vous descendrez d'ici, n'oubliez pas de regarder chaque fois que vous partirez en voyage, regardez bien chaque paysage autour de vous. Ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles, car se cache derrière chaque paysage une histoire.